Point. On est venu ici se balader. Comme vous pouvez voir, c'est super sympa. Il y a une plage. Vous avez beaucoup de nature et des petites balades sympas à faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au ferry terminal pour prendre un petit bateau qui va nous ramener du côté d'une petite île qui s'appelle Pulo Ubin. On a trouvé le ferry terminal. On y va, les filles? On va prendre le bateau pour aller donc sur l'île. Bateau, yeah! Bravo! Bateau. On a juste 10 minutes de traversée. En fait, c'est une île qui n'est pas très loin. Pulo Ubin, Singapour, c'est là, voilà. C'est juste en face, la petite île que vous voyez. Donc, on est à Pulo Ubin. Cette île ressemble à ce qu'était Singapour dans les années 1960. C'est juste incroyable. Donc, on trouve des habitants, quelques magasins, plein de randonnées à faire, super sympa. Vous pouvez louer un vélo. Donc, la plupart des personnes qui viennent ici, c'est surtout pour faire de la randonnée, faire du vélo. Et donc, il y a tous des parcours qui sont proposés. On va aussi manger local puisqu'il y a plein de petits restaurants super sympas. Donc, c'est parti, on va découvrir ensemble pour la deuxième fois Pulo Ubin. On va chercher un vélo à louer et ensuite je pense qu'on va faire le Chek Java. Donc on arrive dans le village principal. Franchement, c'est des paysans. On n'a pas l'impression d'être à Singapour, c'est incroyable. Il y a plein de vélos à louer, tout type de vélo. Vous pouvez manger aussi ici. On est en train de tester les vélos là. Hein? Bon, là pour le coup on est sur une portion de route un peu moins pratique. Allez, on y est presque. Ok, on y est, Chek Java. Regardez qu'est-ce qu'il y a là, il y a deux sangliers. Donc là maintenant, on va grimper, on va prendre de la hauteur pour avoir une super belle vue, ça. Franchement, la montée vaut le détour. C'est magnifique, la vue elle est super belle. On va continuer, on a encore un petit parcours à faire à pied et ensuite on termine la boucle pour retourner vers le ferry. Il y a ça ici, là et là. Ouais, ok. Donc là on va se balader, on va faire une autre balade qui est super sympa. Ça s'appelle Coastal Broadwalk. Je vous montre ça. Dernière partie, mangrove boardwalk. Donc on a ici de nouveau
une promenade à travers la mangrove. Donc ça commence ici. Et je vais tourner la caméra comme ça vous allez pouvoir voir. Fiche. Tu vois des poissons quelque part, Anne, Haroun? Oui. Fiche. Oui. Et voilà, on a terminé la boucle, nous voilà de nouveau au pied de la tour. Donc là, ça y est, on va récupérer les vélos. Enfin, t'as trop hâte de rouler à vélo? On va récupérer les vélos et on va retourner vers le ferry. Et quand on va prendre le vélo, il y a plein de descentes. T'aimes bien, ouais? Oui, c'est trop bien. Les vélos, donc la mangrove en gros, c'est une forêt spécifique du paysage tropical que l'on trouve dans les zones tropicales. On a... Les filles, où est-ce qu'on a visité la mangrove? Dans plein d'endroits ici en Asie. Où ça? T'as oublié? Ok. Où est-ce qu'on a visité les filles? Au sultanat de Brunei. Où est-ce qu'on a visité la mangrove? À Langkawi aussi en Malaisie. Où est-ce qu'on avait été aussi? En Thaïlande. Tu te rappelles, Ahmed? En Thaïlande? Si, si, quand on avait pris le bateau. Si, si. Oui, voilà, c'était au Brunei. Et donc les arbres que vous voyez là avec plein de branches comme ça, on appelle ça des palétuviers. Ce sont des arbres qui sont capables de résister au sel et à l'eau et ils abritent en fait plein d'animaux qu'on ne voit pas forcément, mais des crabes, des poissons, même des requins citrons, des crabes violonis, je sais plus trop quoi, j'avais lu ça. Écoutez, on y va? Ouais, des requins. Enfin, pas des petits requins hein, quand ils sont forts. On arrive à la fin de cette promenade. Franchement, on dirait qu'on a voyagé. Moi, j'ai l'impression d'avoir voyagé. C'est dépaysant. C'est vraiment dépaysant. Et les filles, vous avez aimé ou pas? Oui. Rania? Oui. Ouais? Oui. Bon. On va reprendre le bateau. On va rentrer. Et avant de rentrer, on va manger une spécialité. On va manger dans la food court. Je pense qu'on va manger... on va prendre du saté. Des bonnes brochettes. Hein. On va prendre... Qu'est-ce que tu veux manger, Rania? Un nasi lemak? Du saté. Oh, du saté.